code clé 2, l'initiation d'Hathor. Votre voix en tant que créateur omniscient de réalité quantique. Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation en moi et autour de moi. Je demande d'être entouré maintenant par des cercles concentriques de lumière. Un cercle intérieur de lumière dorée iridescente et un cercle extérieur de lumière bleue royale. Je suis maintenant au centre de ces cercles de lumière, assis sur un trône de lotus doré. Je suis maintenant en cérémonie, libéré des structures de l'espace et du temps, là où existe la guérison instantanée et la connaissance divine. J'invoque mon soi supérieur et lui demande de remplir mon corps et ses cercles de lumière en tant que présence de mon propre Esprit Saint. Je sens mon soi supérieur descendre maintenant par mon chakra couronne, telle une colombe de paix qui dépasse tout entendement. Mes cellules répondent par un bourdonnement, car invoquer l'Esprit Saint de mon soi supérieur accélère la vitesse de chaque électron en orbite dans mon corps. Un soleil radieux apparaît au-dessus de ma tête, encerclé de milliers d'ailes angéliques, doté Dieu qui chante « Je suis ». Je m'abandonne en inspirant profondément. L'Esprit Saint en moi se réjouit avec les anges, car ce jour a été ordonné par ma surâme comme le moment de libérer ma conscience des illusions de la limitation et de la séparation physique. Par la grâce de Sophia, je déclare qu'il en est ainsi. Apaisé, j'expire maintenant et abandonne tout effort passé visant à atteindre la divinité que je suis déjà. J'inspire, et le soleil radieux entouré d'ailes bruissantes, aux yeux saints, commence à descendre par mon chakra couronne. Le soleil radieux traverse ma glande pinéale. Des milliers d'ailes angéliques descendent depuis ce soleil pour ouvrir une voie de pure lumière blanche allant de ma tête à mon cœur. J'accepte maintenant le don de connaissance divine comme mon droit inné de me souvenir du code Sophia en moi. Le soleil radieux traverse ma glande pituitaire. Des milliers d'yeux angéliques chantent « Saint, 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 je suis » activant le temple de lumière adamantine de mon troisième œil. J'accepte maintenant le don de vision divine comme mon droit inné de révéler le code Sophia en moi. Le soleil radieux traverse mon chakra de la gorge. Des langues de feu sacré émergent des yeux, prononçant
par-dessus ma voix leur bénédiction en langage de lumière. J'accepte maintenant le don de parole divine comme mon droit inné d'activer le code Sophia en moi. Le soleil radieux s'ancre maintenant au centre de mon chakra du cœur. Des roues étincelantes imbriquées les unes dans les autres ouvrent en spirale le portail stellaire de mon cœur pour révéler un univers de lumière en moi. J'accepte maintenant le don de communion divine comme mon droit inné d'incarner le code Sophia en moi. Le soleil radieux s'étend maintenant pour remplir tout mon corps de la manne de mon Esprit Saint. Je sens la vibrante tonalité de mon soi supérieur affirmée depuis l'intérieur de mon être. Je suis. Je suis rempli d'une grande paix. Je sais maintenant que mon soi supérieur communique directement avec ma conscience humaine. La voix de mon soi supérieur parle à travers mon cœur et résonne dans chaque cellule de mon corps. Je reconnais que c'est la présence de mon soi supérieur qui répond instantanément à chacune de mes invocations. J'invoque maintenant mon soi supérieur et lui demande de diriger les fonctions d'onde de mes électrons afin qu'elles étendent leurs orbites de communion et soient remplies d'une mesure toujours plus grande de mon Esprit Saint. Je suis entièrement présent maintenant. Mon corps peut en toute sécurité se détendre dans la lumière radieuse que je suis. Tout ce que je cherche orbite en moi. Il n'y a nulle part où aller, sauf vers l'univers de lumière en moi. Incarnant la présence omnisciente de mon soi supérieur, je déclare maintenant que je suis un champ unifié de mon soi entier. L'Esprit Saint que je suis orbite en moi, tourne en cercle au-dessus de moi, descend en moi, s'élève en moi tel un saint séraphin et s'ancre dans mon cœur pour s'étendre et m'envelopper tel un sanctuaire. Mon corps humain ronronne silencieusement dans la parfaite orchestration de ma physiologie comme manifestation finale de la lumière de mon soi supérieur apparaissant dans la forme. En ce moment, dans mon corps, je suis conscient du mouvement de l'ensemble de ma physiologie qui se produit à la vitesse de la lumière à l'intérieur de chaque électron de mon ADN. De l'immobile point zéro que je suis à chaque moment présent, je suis témoin de l'univers en moi. J'invite maintenant Hathor, celle aux mille voix, à se joindre à moi dans cette cérémonie, comme mentor multidimensionnel m'ayant précédé afin de me révéler la voie. Hathor, j'accueille votre présence, destinée à m'initier
et à activer le code clé 2 du code Sophia dans mon ADN maintenant. Hathor apparaît maintenant devant moi, sous la forme d'une incarnation rayonnante de lumière dorée. Dans le silence de son sourire, elle me prodigue 1000 bénédictions, baptisant ma conscience par sa joyeuse clarté. J'observe attentivement ses 12 yeux foncés, qui scintille de la lumière stellaire de Sirius. Sous son regard activant, l'amour divin jaillit de mon centre pour remplir de chaleur chaque cellule de mon corps. Sa gracieuse musculature est définie par une longue robe de lin blanc pur, ornée de vibrants bijoux en or, qui respire et chante, comme s'il faisait partie de son corps. Sur sa tête repose délicatement une couronne d'or, ceinte de deux longues cornes de vache céleste. Ses cheveux noirs de jais tombent en cascade le long de son dos pour se placer entre ses ailes d'un or iridescent, qui descendent au sol en une longue traîne. Lorsque Hathor s'approche de moi, chacun de ses mouvements vibre de l'élégance de la joie incarnée. Sa présence est une danse empreinte d'aisance et de vitalité. Le sourire d'Hathor est contagieux et inspire mon être à explorer la fréquence de la joie du point de vue de son incarnation rayonnante de félicité. Autour de la silhouette d'Hathor, je distingue sa nation stellaire, des êtres angéliques qui chantent selon des fréquences en résonance avec sa transmission. Derrière elles tournoient dans des roues d'adoration leurs multiples yeux et ailes bruissantes. Je sens les électrons de chaque cellule de mon corps accélérer leur vitesse de rotation. Mon moi supérieur répond à la présence d'Hathor en parlant spontanément dans une langue céleste aux ondes sonores dorées. Mes oreilles intérieures sont purifiées par ces sons harmoniques qui me traversent. Je prépare maintenant mon cœur à recevoir la parole d'Hathor, initiant ma conscience. Je me sens à la fois plus léger et plus complet. Hathor m'ouvre ses bras. Des roues de lumière imbriquées les unes dans les autres ouvrent en spirale son chakra du cœur, créant entre nous un portail stellaire fluide de communion céleste. Hathor s'adresse à vous. Je suis ici en tant que témoin aimant, reflétant que tu mérites de recevoir toutes les bénédictions de ta conscience divine illimitée. Tu es digne du pouvoir créateur qu'a l'Esprit Saint en toi de manifester des réalités célestes sur terre. Tout comme j'ai jadis parcouru la terre en donnant naissance à un mouvement d'âge d'or, tu as également choisi cette vie pour participer en qualité de leader au prochain âge d'or des miracles de l'humanité.
La joie véritable de cette vie humaine consiste à découvrir à quel point tu es illimité dans ta capacité à guérir, à conférer de l'empowerment et à créer n'importe quel résultat désiré pour le pur plaisir de ton auto-réalisation. Ton être souhaite vivre consciemment l'étendue de ton soi multidimensionnel et en rassembler le dynamisme à travers une communion électro-extatique avec toutes tes incarnations. Guidé par ton propre Esprit Saint, cette communion électro-extatique est le véhicule servant à créer la paix que toi et toute l'humanité cherchez. Tu es venu ici pour guérir et dynamiser toutes tes vies parallèles au moyen des initiations et des activations de cette seule vie. Les électrons de ton corps constituent le véhicule de l'Arche d'Alliance, permettant à ta conscience d'unifier tout le pouvoir souverain de ta surâme dans cette vie. En tant que leader dans ce prochain âge d'or des miracles, ton incarnation authentique de cette sainte communion activera d'autres êtres pour qu'ils accèdent au même potentiel en eux-mêmes. En qualité de guide et mentor, je déclare à ta conscience que toute la connaissance concernant l'univers quantique existe dans ton propre ADN. Je t'invite maintenant à accéder directement à cette information encodée en m'accompagnant dans un voyage jusqu'aux temples intérieurs de ton univers subatomique. Être curieux au sujet de qui tu es vraiment est sans danger. Découvrir que ton corps est en réalité un hologramme de perception maintenu en place par des électrons ne lui enlève aucune valeur. Cette découverte te ramène plutôt à l'élégante équation de ta propre divinité qui manifeste tes nombreux corps à travers des électrons. Ta forme humaine est un miracle manifesté, digne de ton plus grand respect. Explorer la communion du Saint des Saints qui t'est accessible à l'intérieur de chaque électron de ton corps libère ta conscience des limitations de la forme. Le code Sophia en toi peut être activé afin de te permettre de vivre une communion électro-extatique avec toutes les manifestations de tes soi, donnant naissance à de nouvelles réalités. Ma transmission du code clé 2 invite ta conscience à identifier et explorer les capacités multidimensionnelles grâce auxquelles tu peux naviguer dans le continuum spatio-temporel quantique et au-delà. Comme tu es destiné à l'apprendre dans ce prochain cycle d'âge d'or, accéder à tes dons multidimensionnels sera essentiel pour guider l'humanité lors de ton prochain saut évolutif. Je suis venu ici comme mentor pour te montrer le chemin d'un accès illimité au potentiel divin. Hathor s'avance vers moi. Je perçois le bruissement des roues Ophanim et des ailes de lumière qui fait écho à chacun de ses mouvements.
élevant ses ailes dorées iridescentes bien au-dessus de sa couronne, Hathor approche de mes lèvres une anque de vie. J'entends aussitôt le son d'un bourdonnement d'abeilles dans mes oreilles et mes sens se remplissent d'un parfum d'encens. La voix de mon soi supérieur m'invite à ouvrir la bouche. L'anque de vie franchit mes lèvres et se dissout sur ma langue, tel un doux nectar. Plaçant une main sur mon cœur et l'autre sur mon chakra couronne, Hathor entonne les chants de Sophia. Sa voix me fait traverser la lumière de son portail stellaire, me transportant jusqu'au centre de mon propre être. Je m'ouvre maintenant à recevoir cet empowerment d'activation du code clé 2 à l'intérieur de mon ADN avec la déclaration suivante. En tant que créateur souverain de la source Sophia Une, par le pouvoir de ma présence Je Suis, je déclare maintenant cette invocation entendue et reçue par le chant unifié de mon soi entier. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j'accepte maintenant mes électrons comme un point d'accès quantique et un véhicule d'expression du pouvoir souverain de ma divinité illimitée sous forme humaine. Au centre de mon être, je localise la cellule zygote et son plan originel, à partir duquel toutes les cellules de mon corps ont été répliquées. Je la vois luire dans mon cœur, entourée d'une lumière vert émeraude. Je voyage à la vitesse de la lumière à travers la membrane plasmique de cette cellule. Je marche sur l'eau, traversant un océan d'organelles bourdonnantes. Je parcours le grand labyrinthe de réticulum endoplasmique et j'arrive à la porte du temple du noyau de ma cellule. Ma conscience est accueillie et invitée à pénétrer dans les saints halls de ma chromatine. J'ajuste ma vision à la lumière éclatante qui inonde ma conscience. Des milliards de milliards d'électrons apparaissent maintenant plus clairement. Ma conscience est illuminée par les infinies bibliothèques vivantes d'ADN devant moi. Hathor apparaît à mes côtés. Elle me guide de façon que je me concentre sur le brin d'ADN aux spirales infinies qui crée le chromosome 3. De cette perspective cellulaire, ce chromosome est énorme et je m'émerveille de sa parfaite bibliothèque d'informations qui régénère continuellement des parts de moi. Hathor m'invite maintenant à me placer sur l'échelle de l'hélice
en spirale de mon ADN. L'échelle est à la fois forme et sans forme. Une séquence configurée constituée de liens chimiques dont l'architecture est fortement activée par ma présence sur elle. Hathor indique à ma conscience de regarder de plus près l'hélice d'ADN, dont les barreaux sont constitués de nucléotides accolés. Hathor s'adresse à vous. Retrouve ton pouvoir souverain aujourd'hui en bénissant ces électrons et en affirmant qu'ils constituent ton héritage divin inconditionnel venant de Sophia pour créer ton ADN. Fixe ton regard sur la lumière de ces électrons et sens comment chacun d'entre eux contient la présence de ton soi supérieur. Tu peux faire l'expérience de la totalité de ton être à l'intérieur de la fonction d'onde de cette particule quantique. Je te laisse bénir ce véhicule comme étant un chariot pour ta divinité. Je monte sur la nucléobase adénine dont la forme moléculaire est C5H5N5. Par cette déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléotide d'adénine de mon ADN à base carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code Sophia en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide d'adénine comme véhicule de l'arche d'alliance, servant la volonté divine de mon soi supérieur. J'active les 30 électrons gravitants en tant que carbone. J'active les 5 électrons gravitants en tant qu'hydrogène. J'active les 35 électrons gravitants en tant qu'azote. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 70 électrons de mon nucléotide d'adénine pour chaque nucléotide d'adénine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 70 électrons de mon nucléotide d'adénine pour chaque nucléotide d'adénine animant toutes mes incarnations parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles. Je suis rempli de la présence du pouvoir créateur de mon soi supérieur qui, par mon activation d'adénine, s'étend jusqu'à atteindre chaque incarnation de mon soi multidimensionnel. Ce biofeedback âme-cellule ranime mon courage, tandis que j'observe mes électrons émettre une joie naturelle engendrée par la visite de mon soi supérieur, qui circule simultanément dans toutes les directions. Bénissant l'élan créé par cette activation d'ADN, je suis l'indication d'Hathor qui m'invite à poursuivre. À ma droite, je monte sur l'échelle de mon ADN et me tiens sur la nucléobase thymine, dont la forme moléculaire est
C5, H6, N2, O2. Par ma déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléotide de thymine de mon ADN à base carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code SOFIA en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis, je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide de thymine comme véhicule de l'arche d'alliance, servant la volonté divine de mon soi supérieur. J'active les 30 électrons gravitant en tant que carbone. J'active les 6 électrons gravitant en tant qu'hydrogène. J'active les 14 électrons gravitant en tant qu'azote. J'active les 16 électrons gravitant en tant qu'oxygène. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 66 électrons de mon nucléotide de thymine pour chaque nucléotide de thymine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 66 électrons de mon nucléotide de thymine pour chaque nucléotide de thymine animant toutes mes incarnations parallèles, existant simultanément dans toutes les réalités dimensionnelles. Je monte d'un barreau sur l'échelle de mon ADN et me tiens sur la nucléobase suivante, guanine, dont la formule moléculaire est C5H5N5O. Par ma déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléotide de guanine de mon ADN à base carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code SOFIA en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis, je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide de guanine comme véhicule de l'arche d'alliance, servant la volonté divine de mon moi supérieur. J'active les 30 électrons gravitants en tant que carbone. J'active les 5 électrons gravitants en tant qu'hydrogène. J'active les 35 électrons gravitants en tant qu'azote. J'active les 8 électrons gravitants en tant qu'oxygène. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 78 électrons de mon nucléotide de guanine pour chaque nucléotide de guanine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 78 électrons de mon nucléotide de guanine pour chaque nucléotide de guanine animant toutes mes incarnations parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles. Hathor m'invite à aller sur la gauche pour l'activation suivante de ma nucléobase cytosine à l'intérieur de chaque brin de mon ADN.
Sa formule moléculaire est C4H5N3O. Par ma déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléotide de cytosine de mon ADN à base carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code SOFIA en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis, je proclame, béni, et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide de cytosine comme véhicule de l'Arche d'Alliance, servant la volonté divine de mon soi supérieur. J'active les 24 électrons gravitant en tant que carbone. J'active les 5 électrons gravitant en tant qu'hydrogène. J'active les 21 électrons gravitant en tant qu'azote. J'active les 8 électrons gravitant en tant qu'oxygène. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 58 électrons de mon nucléotide de cytosine pour chaque nucléotide de cytosine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 58 électrons de mon nucléotide de cytosine pour chaque nucléotide de cytosine animant toutes mes incarnations parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur Terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne. Mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j'accepte entièrement que je suis un créateur omniscient de réalité quantique, tel que le révèle mon héritage divin d'électrons. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à mon soi supérieur d'activer toutes les qualités divines cristallines du code clé 2, du code SOFIA en moi, comme nouveau système d'exploitation de mon ADN à base carbone. J'intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps, sur les quatre plans de mon être, avec grâce et aisance. J'ai reçu aujourd'hui davantage de moi-même. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite. C'est accompli. Hathor lève les mains dans ma direction, dans une bénédiction du rayon d'or pour incarner la sagesse du Christ féminin divin. Elle m'entoure du chant de sa prière de clôture. Je sens son soi supérieur sceller ses activations du code SOFIA dans la lumière et le feu de mon propre Esprit Saint, à travers toutes les dimensions et réalités parallèles. À mesure que les électrons de mon corps s'alignent en tournoyant, je vois leur trajectoire en orbite
comme des roues ophanimes de lumière imbriquées les unes dans les autres. Elles existent en moi et chantent les louanges de ma propre divinité. Hathor me sourit tandis que je reconnais ma propre nature angélique en train de prendre son envol à l'intérieur de mon incarnation humaine. Elle place dans mes mains deux ancres de platine ornées d'yeux de saphir. Alors que j'équilibre leur poids et leur beauté sur mes paumes, je sens les courants de mon corps s'ancrer profondément en un lien renouvelé avec la terre. Hathor oint mon deuxième chakra, mon chakra de la gorge, mon troisième œil et mon chakra du cœur avec de l'encens. J'inspire la fragrance de l'huile sacrée et son parfum glorieux ramène immédiatement mon attention dans ce moment présent d'accomplissement. Je regarde le beau et doux visage d'Hathor qui me sourit avec félicité. Des anges innombrables l'entourent dans un tourbillon de rayonnement doré, m'enveloppant dans leur chant unifié d'amour divin illimité. J'accepte maintenant cette occasion de choisir comme mentor Hathor, maître ascensionné féminin divin et enseignante exceptionnelle, pour incarner le plein potentiel quantique de mon soi supérieur dans la forme humaine. Le cœur débordant, je vous remercie, Hathor, de m'avoir béni avec votre ancre de vie dorée et éveillé à mon potentiel humain angélique. Merci de votre joyeux soutien de mentor, de guide et d'ami tout au long de ce processus d'empowerment. Cette initiation d'activation du code clé 2 du code Sophia en moi est désormais accomplie. Je clôt maintenant cette cérémonie, le cœur rempli d'appréciation, de reconnaissance et de révérence pour tout ce que j'ai reçu, à la fois connu et inconnu de ma conscience. Je remercie le pouvoir de mon soi supérieur, ainsi que l'amour de tout ce qui est, de soutenir ma réussite éternelle. Et il en est ainsi.